Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu tout à l'heure le général Thomas Waldeser, commandant de l'AFRICOM, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'AMP le général Thomas Waldeser, commandant de l'AFRICOM. L'état de la coopération militaire et l'échange d'analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun étaient au centre de ces entretiens auxquels ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'AMP. Les membres de la délégation militaire et les membres de la délégation militaire américaine. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le général Thomas Waldeser a signé par la suite le livre d'or de l'état-major de l'Armée nationale populaire. Le commandant de l'AFRICOM, le général Thomas Waldeser, a été reçu aussi par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Des entretiens entre les deux parties autour de la coopération et des questions de sécurité d'intérêt commun.